Alors David, peux-tu nous résumer ta saison jusqu'ici ? C'est plutôt une bonne saison, on est assez satisfait. C'était la deuxième saison de cette nouvelle écurie suisse, le projet du propriétaire Esteban. Et voilà, l'objectif c'était de se battre pour le championnat. Aujourd'hui, la dernière course, on est encore en fight pour ce titre. Et donc les objectifs sont quand même atteints. On a réussi à gagner une course, toujours dans les bagarres pour les podiums. Donc on est très content de cette saison jusqu'à maintenant. Justement, avec Real Team, vous êtes à 18 points des leaders du championnat. Est-ce que cela te met une pression supplémentaire pour la course ou vous allez juste tout donner et voir comment ça se passe ? Voilà, nous on est un peu outsider parce qu'on n'est pas en tête du championnat. Donc c'est vrai que nous on a à cœur de gagner la course, de donner notre maximum et puis de voir quel sera le résultat à la fin du week-end. Esteban ne sera pas là ce week-end. En quoi cela a modifié ta préparation pour cette finale ? Ah, ça s'est fait un peu last minute, donc on n'a pas changé particulièrement des paramètres, mais l'idée voilà, c'est de continuer à faire le même travail qu'on a effectué jusqu'à maintenant et essayer d'être le plus près possible jusqu'à dimanche pour faire une bonne course. Et que penses-tu de ce circuit de Portimao ? C'est un circuit assez sympa, là ils ont resurfacé le circuit pour la Formule 1, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable qu'avant, maintenant on a beaucoup moins de bosses, donc on a pas mal de plaisir ici, c'est un peu un circuit atypique, donc c'est toujours sympa de voir quelque chose assez différent, c'est un plaisir de venir ici en chaque fin de saison. Et du coup, quel est ton virage favori ? Je pense que j'aime bien le premier virage. On a cette descente avec un freinage justement dans la descente qui ralentit pas tant que ça la voiture. Il faut être très très précis à la corde, sinon on se retrouve vite hors piste. Donc c'est un virage que j'apprécie plutôt bien.